J'ai ramené 10 abonnés et j'ai privatisé entièrement le magasin Intersport. Et tout ce que vous mettez dans ce caddie, je vous l'achète. Yeah. Mais attendez. Avant ça, il va falloir me trouver dans le magasin. Je vais avoir 2 minutes chrono pour me cacher dans la meilleure cachette possible de tout ce magasin de sport avec ce caddie. Et dès que j'aurai fini les 2 minutes, vous aurez 2 minutes pour prendre le maximum d'objets dans tout le magasin. Et le premier qui me trouvera avec tous ces objets, il pourra déposer dans ce caddie. Quoi, la dinguerie, les gars. C'est incroyable. Mais ça veut dire que tout ce que l'abonné il met dedans, c'est toi qui payes. Exactement. C'est quoi ton objet que tu veux récupérer dans le magasin? Des crampons. Des crampons, toi tu veux récupérer quoi? Des crampons. Des crampons aussi? C'est que des fans de foot. Toi c'est quoi? Des maillots. Des maillots de foot, toi? Moi c'est un peu. Après, un peu tout. T'as vu, elle est perdue. Un peu tout, les gars. Vous avez tous compris les règles? Oui. Et là maintenant les gars c'est parti, j'ai 2 minutes pour vous cacher. J'ai mon caddie, 1 minute 59, 1 minute 58, le chrono est lancé. Là les gars faut que je trouve la meilleure cachette possible. Et j'ai actuellement tout le magasin Intersport pour me cacher. Et je pense à mon avis que je vais me cacher le plus loin possible du rayon football. Parce que là les gars je suis dans le rayon football. Tous ils vont venir dans le rayon football. Je leur ai demandé leur cadeau, ils veulent tous des crampons. Je veux que je dors me cacher à l'opposé d'ici. Tu vas mettre quoi dans le caddie? Tout ce que je peux. Ah tu me prends un maillot ou quoi pour moi? Ouais. Ah les gars il va prendre un maillot pour moi. Mais toi tu vas prendre quoi pour toi? Des crampons, des maillots, tu vas prendre quoi? Je vais prendre tout ce qui est possible. J'ai une technique, tu prends pas beaucoup de choses, tu prends dans tes mains et on va le chercher. C'est bon? Vas-y, check. Tu vas prendre quoi là comme? J'ai un truc en tête, du coup, une casquette, des maillots. Okay. Ouais. Maillot de quoi? Maillot, on va prendre des maillots de Marseille. Voilà, allez l'OM, les gars, allez l'OM. Les gars, il me reste plus beaucoup de temps. Je pense que la première cachette, ça va être les cabines d'essayage. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on risque de cramer mon caddie alors que je suis dans les cabines. Il me reste environ 1 minute, peut-être 1 minute 20. J'ai peut-être une idée. Qu'est-ce que tu vises? Crampon de Ronaldo avec ça. Maillot de Ronaldo avec ça. On va prendre des trucs les plus chers, ça va le faire. Mon caddie, je vais cacher ici. Mon caddie, j'ai caché derrière la caisse. Et moi, les gars, je vais me cacher dans une cabine d'essayage. Et je vais me mettre en hauteur, comme ça, ils voient pas mes pieds. En bas des cabines d'essayage. C'est parti, suivez-moi. Moi, je te conseille, prends des maillots de foot. Ouais. C'est quoi ton équipe préférée? Marseille. Moi, je te dis, prends Paris. Non, t'es fou. Des valises crypto, prends des crampons déjà. Maillot de foot, ballon, tout ce qu'il y a à prendre. On pose dans le caddie et on gagne. C'est bon. Je vais me cacher dans une cabine d'essayage. On me voit ou pas là? On me voit? Ouais, on me voit mes pieds. Donc, j'ai trouvé une nouvelle solution. Je vais me mettre ici, à genoux sur ça. On me voit plus, les gars. C'est carré. Oh les gars, j'ai réussi à me cacher juste avant les 2 minutes, maintenant plus de bruit et je me cache. Donne-moi la caméra, taille ton long et cours. J'ai dit à mon caméraman de me barrer les gars, je dois parler doucement. Et là maintenant il va avoir 2 minutes pour récupérer un maximum de cadeaux. Et le premier qui me trouve avec ses cadeaux, il gagne directement tous les cadeaux dans le caddie. 3, 2, 1, allez. Vite. Oh, arrête pas dans le petit, vite. Je prends des casquettes, vas-y. Bon ça commence, ils ont 2 minutes chrono pour prendre un maximum d'objets. Je suis mort, pas du tout. Vas-y, accélère. Oh tu vas prendre quoi? Tu fais quoi? Mais Nadim, là, c'est des chaussures de course! C'est pas là! Je prends un ballon. Plus ils mettent du temps à récupérer des cadeaux, plus ils vont me ruiner. Et s'ils me ruinent, je suis mort. Non, je peux pas prendre, moi. Je l'ai fait tomber, tu peux pas le ramasser. Y'a quoi ici? Y'a que des pneus! Viens, je suis crypto. C'est bon, t'as assez, non? Non, il me faut juste un maillot de foot. Vas-y, cherche dans les rayons, cherche dans les cabines et tout. Dans les cabines d'essayage. Cours, vite! Cherche dans les habits. Regarde dans toutes les cabines. Encore. Oh, ils ont gagné. Du coup Riyad, t'as gagné avec la team Orange et Zakos Otakos. Et tout ça c'est tes objets que t'as pris. Il a pris 2 maillots de l'OM, mais ça c'est ta taille. Non, mais t'inquiète. T'as des frères et sœurs ou pas? Bah oui j'en ai. Et bah okay. Voilà. Donc les gars c'est intelligent. Ensuite, j'ai pris une casquette verte. Ok. Une petite casquette brown. Une casquette ok marron. Coffre sportif, j'en ai pris okay. deux. Il a vraiment pris le maximum de choses. Et une petite casquette rouge. C'est vraiment merveilleux. Mais regarde les casquettes, t'as dit que t'allais les mettre, tu vas même pas les mettre, t'as jamais vu avec une casquette. Je peux les revendre, je peux les donner à ma amie. C'est bon, ne craque pas. Les gars, pas de jaloux. Là, on va passer en caisse pour te payer tout ça. Et on va passer tout de suite à la prochaine manche. Prêt ou pas? Du coup, Riyad, c'est parti. On va en caisse. Là, tu m'as vraiment ruiné. Faut vraiment que je trouve une meilleure cachette pour ma prochaine manche. On va en caisse tout de suite et on va te payer tout ça, Riyad. T'es content d'avoir gagné? Je suis trop content, mais j'aurais pu prendre plus de choses. Mais au moins, j'ai gagné. En plus, comme t'as dit, tu vas faire plaisir à ta famille. Ouais, je vais faire plaisir à ma famille. C'est beau. Toi, t'es un mec très gentil, toi. Ok, c'est parti. On passe en caisse. Les gars, on arrive à la caisse. C'est une dinguerie, les gars. Allez. Premier gagnant, les gars. Tiens, vas-y, on t'a pris tout ça. Du coup, t'as réussi à récupérer tout ça. Oui, j'ai réussi. Un coup, et tu m'as trouvé vite. Je te donne 7 casquettes. Merci. 7 casquettes encore. Dévalisé stock de casquettes. Oh, il est arrivé, il a même pas cherché à comprendre. Il m'a dit j'ai trouvé crypto, mais j'aurais dû prendre aussi une paire de chaussures. En tout cas, t'es le vainqueur de la première manche. Ouais. Bravo. Merci.
J'espère que tu vas te régaler avec ça. Et on va voir ça va être qui les prochains vainqueurs des autres manches. Parce que là les gars c'est rien ce qu'il a gagné comparé à ce que vont gagner les autres. Parce que là j'avais vu les autres participants. Ils avaient vraiment pris des trucs de foot, des ballons de foot, des maillots de foot. On va voir ce qu'ils vont gagner dans les prochaines manches. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous êtes tous réunis et avant de passer à la deuxième manche de cette vidéo, est-ce que vous connaissez tous le jeu du loup? Non. Là les gars j'ai ramené une Nintendo Switch. Et le premier qui m'attrape gagne la Switch. Les gars, c'est le premier qui m'a attrapé. T'es content ou pas? Oui. Là, tu remportes cette Switch. Merci. Il vient de gagner la Switch. Il court vraiment super vite. Je crois que c'est le petit qui court le plus vite que j'ai eu de ma vie. Il a réussi à me rattraper alors que j'étais vraiment à fond. Bravo. Tu viens de remporter la Switch. Tu l'ouvres. Tu peux regarder ce qu'il y a dedans. Ouais, mais lui, il a gagné. Moi aussi, j'ai gagné. Toi, c'est vrai que t'avais gagné la dernière vidéo une Switch. La même en plus. Franchement, tu as bien joué avec depuis le temps. Ouais. Tu joues encore comme jeu dessus. Ouais, Fortnite. Fortnite. Toi, tu as joué pari à Fortnite. 104. Et vous deux, vous avez gagné une Switch dans les vidéos. Et si toi aussi, tu veux être le prochain à participer à ma vidéo et à gagner une Switch, comme cet abonné a gagné une Switch, il faut être abonné obligatoirement à la chaîne YouTube. C'est obligatoire, alors abonne-toi et tu seras peut-être le prochain dans ma prochaine vidéo avec les abonnés. Du coup les gars on passe à la deuxième manche avec 5 nouveaux participants. Et les coachs restent les mêmes, chacun ont une couleur. Et oubliez pas une règle les gars que j'ai déjà tout le monde. Si vous faites tomber un produit dans vos mains c'est éliminé. Donc vraiment prenez le maximum de produits mais sans en faire tomber un parce que sinon c'est éliminé. Vous avez 2 minutes chrono pour attendre ici. Et au bout de 2 minutes vous allez tout simplement prendre un maximum d'objets et me trouver. C'est parti, j'y vais, let's go. Vous avez pas remarqué quelque chose? Il est rentré sans caddie. C'est vrai, il est vrai. Il doit avoir quelque chose dans le magasin, c'est sûr et certain, mais il est rentré sans caddie. Pour moi, il s'est dit le caddie, c'est trop voyant, part comme ça. Je sais pas, les gars, à vous de chercher. Pour la deuxième manche, j'ai décidé d'être encore plus facilement trouvable. Je me suis déguisé entièrement en ballon de foot géant. C'est-à-dire là, les gars, de loin, on me voit dans tous les rayons. Et en plus de ça, les abonnés pourront poser leurs affaires dans un caddie géant, les gars. C'est une plaque entière. C'est-à-dire que là, les gars, c'est le moment pour eux de poser un maximum de choses qu'ils auraient pas pu poser dans un petit caddie. Des vélos, tout ce qu'ils veulent, les gars, des gros cartons. Peu importe ce qu'ils trouvent, ils peuvent le poser dessus. Et moi les gars c'est parti, je vais aller me cacher tout de suite parce qu'il me reste moins de 2 minutes, le chrono est lancé, c'est parti. Tu vas prendre quoi dans le magasin? Des casquettes... Tu vas perdre, on va gagner, c'est parti là. Bah les gars, c'est pour les rouges, c'est pour les rouges. Si, tu vas perdre. Il rentre pas dans notre tête, Marouki rentre pas dans notre tête. Oui, on a peur de personne, la première manche on l'a remporté. Là je pense qu'il est chaud, je l'ai bien coaché comme il faut. Il m'a dit des objets qu'il veut prendre, ils sont incroyables. Un maillot, des casquettes et je chercherai un ballon, comme ça. Mais il faut pas oublier le plus important. Faut trouver Crypto. Je me cache. Je pense que j'ai une idée les gars. Je vais me cacher dans l'endroit le plus simple possible. Juste ici à l'entrée. Tous les abonnés m'attendent sur l'entrée. Et là, je vais me mettre juste derrière. Et on va voir si ça me trouve ou pas. C'est parti. Les gars, j'ai pris 2 abonnés les gars. Vous savez pourquoi? Les gars, vous avez plus de chances de gagner. Vous allez prendre quoi? Moi, un ballon, des crampons, voilà, des maillots. Des maillots. Ouais. C'est quoi votre équipe préférée? Barça et Paris, Real et Marseille. Ok, vous prenez Barça et Real. Ouais. Et les gars, on va être riches. C'est bon les gars, let's go. Là les gars, je suis bien caché. J'ai trouvé la cachette la plus simple et c'est la manche la plus simple. J'ai envie de les régaler. J'ai pris un caddie géant, j'ai pris le costume le plus cramé les gars. Il fait du bruit partout les gars, c'est un sac poubelle, en ballon de foot. Et en plus de ça, je suis à l'entrée, l'endroit le plus simple à trouver. Donc là maintenant on va voir s'il va rien trouver facilement ou pas. Là les gars c'est bon, je suis totalement placé. J'attends qu'on me dise que les 2 minutes sont finies. Et dès que les 2 minutes sont finies, c'est parti. Je me cache, je suis entièrement caché. C'est le début de la manche. 3, 2, 1, c'est parti. Il est où le mien? Prends tout, accélère, c'est bon. Va le trouver. Cours. Il est où? Ouais, cours. Ils sont tous partis très très loin. C'est plus simple d'habitude, les personnes. Mais cherche en même temps. Allez, prends, cours. Voilà, bien vu. Prends des trucs au passage. Bien joué, c'est bon. Il est pas con quand même. Collez-vous, maintenant cherchez-le. Donc là, vous cherchez. Viens. Il est où? Cherche-moi, Nadim. Nadim, tu fais quoi? Tu cherches quoi là? L'objectif, c'est pas me semer, moi, gros. Ah, il est bien caché là. Tu mets du combien? Une minute, cours. Trouve-le. Tu vois quelque chose? Ferme. S'il y a personne, vas-y, pars vite. Perds pas de temps. Ok, jogging. Attends, je t'aide. Faut que tu cherches, Nadim. Plus qu'une minute, faut que tu cherches. C'est un peu la merde, tu peux pas. Laisse. Prends là. Là. 30 secondes. Trouve, cherche dans les habits. Trouve-le. 3, 2, 1, c'est fini. Purée. Ils sont passés tous à côté de moi. Crypto, je vais te demander de sortir, s'il te plaît. Les gars, c'est fini et je peux enfin sortir. Ah,
Les gars, t'es un tricheur, il a pas pris le caddie. De une, j'ai pas bougé, et de deux, le caddie, je suis pas entré avec le caddie. Pour une seule et unique raison, pour cette manche, tellement je voulais vous mettre bien et vous régaler. Dites-vous que j'avais le costume le plus visible en ballon de foot, que j'étais dans la cachette la plus visible à l'entrée, les gars. J'étais derrière là, et en plus de ça, j'avais un caddie géant, et carrément, à côté du caddie, t'avais un vélo, frère. Tu aurais pris ce vélo, tu l'aurais posé sur la plaque, tu m'aurais trouvé, et t'aurais gagné un vélo géant. Malheureusement pour vous, personne n'a réussi à me trouver. Il y avait 2 minutes, j'ai tout fait pour vous me trouver, et malheureusement, les gars, personne n'a réussi à me trouver. On va passer tout de suite à la 3e manche. Dans la dernière manche, j'étais déguisé en ballon géant. Et toi, derrière ton écran, je suis sûr que tu dis que tu m'aurais trouvé super facilement. Alors, si tu veux participer à la prochaine vidéo, faut obligatoirement que tu sois abonné. Comme vous, vous êtes abonné à la vidéo ? T'es abonné, toi aussi, t'es abonné ? Et toi aussi ? Bien sûr, avec la cloche. Bien sûr, avec la cloche, exactement, la tout dit. Donc, faut que vous soyez abonné obligatoirement pour participer à la prochaine vidéo. Peut-être tenter votre chance, je suis sûr que vous m'aurez trouvé super facilement. Mais malgré tout ça, si vous n'arrivez pas à participer aux vidéos, j'ai un super bon plan pour vous, les gars. Intersport Le Pontet font un concours où vous pouvez tous participer et vous pouvez tenter de gagner ce magnifique vélo d'une valeur de 2000 euros, les gars. C'est totalement incroyable. Je vous mets l'Instagram pour participer au concours. Si vous n'arrivez pas à participer aux vidéos, c'est le moment de vous faire plaisir. On passe à la 3e manche. C'est parti. Et pour cette manche, j'ai voulu rendre la tâche encore plus difficile en faisant une manche entièrement dans l'obscurité. Alors là, ici, c'est les lumières du magasin par des clés. Et j'ai tout simplement toutes les éteindre. 1, 2, 3, 4. Là les gars, je suis totalement dans le noir et je vais me cacher, j'ai plus beaucoup de temps, c'est parti. Là je me suis habillé totalement en noir et j'ai coupé totalement toutes les lumières du magasin. Et je vais prendre la cachette la plus dure. J'ai fait le truc le plus simple tout à l'heure, un gros ballon, un gros caddie. Et ils ont pas réussi à me trouver, alors peut-être qu'en faisant la cachette la plus dure, ils vont enfin réussir à me trouver. Venez, venez, suivez-moi. Là les gars, je crois que je viens de trouver la meilleure cachette du magasin. Là les gars, il y a une sorte d'écart. Dites-vous, c'est un employé du magasin qui m'a donné cette cachette et m'a dit ils vont pas trouver, c'est impossible. C'est la manche la plus compliquée. Suivez-moi les gars, il doit plus rester beaucoup de temps. Du coup les gars, là je suis caché dans ma cachette de fou. J'ai ma combinaison et là maintenant les gars, à mon avis je suis bientôt au temps final et j'attends que les abonnés viennent me choper les gars. J'espère qu'ils vont pas réussir à me choper trop facilement. Je suis dans un endroit perdu du magasin les gars. Je suis dans un endroit où normalement on n'a pas accès. 3, 2, 1, stop. Oui, oui. Mayouk, c'est dans le noir, fais gaffe, c'est dans le noir. Fais gaffe, j'ai pris ma taille, allez. Tu perds du temps. Un ballon, comme tout à l'heure, prends le ballon, prends le ballon. Bien joué. Voilà, nickel. J'ai vu un caddie là-bas. Cherche le caddie. Il est dans le noir. On voit rien, frère, on voit rien. Allez, Myriam, allez. Vas-y, faut trouver Crypto maintenant. Là, il y avait une porte. Tu peux pas ouvrir la porte. Vas-y. Prends des trucs intéressants un peu, prends des trucs intéressants. Et là, faut le trouver. Là, faut le trouver. Non, merde. C'est lui, oui. C'est lui. Il est trop chaud. Il a gagné, frère. Je vous ai dit quoi? Y'a personne qui veut me taire, pardon! J'étais dans la cachette la plus compliquée de tout le magasin. Je me suis mis comme ça, il a réussi à me trouver, dans le noir. Le pire, c'est pas ça, c'est qu'il a regardé, il a cru que c'était trompé, ouais. Personne, il a dit ouais. Ah, désolé. Oui! Non, merde! C'est lui, oui! Une dinguerie, les gars. Les gars, avec le petit abonné, on a fait une technique de fou. On a vu le caddie, regardez. Il a tout jeté dans le caddie et on a essayé de trouver Crypto, mais on l'a pas trouvé, les gars. Les gars, ils m'ont pas trouvé alors qu'ils avaient trouvé le caddie. Du coup, là, on peut quand même prendre le ballon. Pas du tout. Là, le gars, le grand gagnant, c'est tout simplement Riyad, deuxième fois que tu gagnes, dans l'obscurité, avec la tenue en noir. T'as pris quoi? Dis-moi ce que t'as pris. Je voulais prendre beaucoup d'ensemble, j'ai pris que ça parce que je voulais vraiment trouver rapidement. Ok. Et grâce au pic, j'ai réussi à prendre un t-shirt blanc. Ok, donc là t'as pris quoi du coup? Ça fait 2 pulls Puma les gars et un t-shirt blanc. Et il a réussi à me trouver super vite. T'as trouvé Crypto direct. Pourquoi tu l'as pas laissé dans la planque? Tu refais un tour, tu prends masse et tu dis que tu as trouvé. C'est ce que je voulais faire des bases, mais t'as stressé quand il y avait quelqu'un autour de toi. Je vous explique. J'ai vu le caddie, je me suis dit oh putain il est là. Je regardais derrière les chaussures, il y a personne. Je vois, il y a toutes les équipes qui viennent, je me suis dit oh putain non, faut que je le trouve. C'est vrai, du coup, je pouvais rien faire. Si il vient pas, il prend le risque qu'un autre il me trouve et qu'il perde tout. Riyad de la team orange, deuxième fois que tu gagnes. C'est quoi tes tactiques? De base, je savais même qu'il y avait un caddie, mais vu que tu me l'as dit, j'ai regardé où était le caddie, j'ai regardé de côté, j'ai vu un faux mur, j'ai regardé, je crois que c'était un mec de l'EDF, au final c'était Crypto. Maintenant on va passer en caisse, on va tout simplement payer ce que t'as pris. Là t'as fait la rapidité, t'as pris pas beaucoup de choses, le plus rapide possible. Les gars on va payer, c'est parti, et on va passer à la prochaine manche. Let's go les gars, c'est validé, deux fois qu'il gagne, on va passer à la manche suivante. Avant de commencer la 4e manche, on va faire comme vous connaissez les gars, un petit mini-jeu. Du coup, pour ce mini-jeu, c'est très simple. Il y a une barre transversale avec 50 euros en lot. Il y a 10 participants. Tous ceux qui vont toucher la barre transversale repartent avec 50 euros. Et c'est toi qui vas commencer. Allez. T'es prête? 3, 2, 1. Oh non! 0 euros pour Myriam, les gars. 0 euros. C'est à ton tour, Team John. Tu dois gagner 50 euros. T'as déjà gagné la Switch, gagne les 50 euros. Là, t'as gagné une Switch, t'es en bénéfice pour aujourd'hui. Non, malheureusement, la barre c'est mon Ali et elle a pas touché. On passe à Lorenzo. Allez Lorenzo. Allez. Let's go.
dommage. Fallait plus la lever. Toi, t'es le mec qui a le plus gagné dans cette vidéo là. Est-ce que tu vas montrer que tu gagnes encore? Non. C'est parti. Mais la mise, c'est quoi cette chose? Mais la mise. Non, 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 non. Mais c'est incroyable. Riyad, tu gagnes toi aujourd'hui. T'as 50 euros, il y avait 50 euros pour chaque participant, quoi si vous gagnez. Là, choisis. Tous les mêmes, c'est tous les mêmes. Merci. Là, les gars, on va passer au prochain participant. On affiche la cagnotte de Riyad depuis le début de la vidéo, juste au-dessus de sa tête. Donc, les gars, Riyad, sa cagnotte s'affiche ici. Voici le prochain participant. Il y a quelqu'un qui vient de gagner 50 euros. Et toi, tu vas gagner. Let's go. C'est raté, zéro. Malheureusement. Wassim, c'est zéro. Amine, c'est parti, c'est à ton tour. Ouh, les gars, il est chaud, mais malheureusement, c'est raté. 3, 2, Tu t'es précipité. C'est le seul hors cadre de la vidéo. Hamza, les gars, il a rien gagné depuis le début de la vidéo. Il a seulement te refaire. Allez, c'est Hamza. Vas-y, Hamza. C'est pas grave. Il a tenté. Les gars, lui, c'est le plus gros rageux de la vidéo. À chaque fois qu'il perd, il pète un câble. Vas-y, yop. Oh là, le poteau. Dommage. Le poteau. Si on avait dit que c'était le poteau, ça aurait été gagné. Mais là, les gars, c'est la barre transversale. C'est dommage. Let's go. Allez, Max. Dommage. Un peu d'entraînement, ça va passer. Dis-nous les termes. Nadjim, t'as déjà réussi à mettre une barre dans ta vie ou pas? Ouais. Transversale. Ouais. C'est le moment de gagner 50 euros. C'est parti. Let's go. 3. 3. Ok. Mais la mise, c'est incroyable. Oh les gars, je suis choqué. Ouais, Nadjim, Nadjim, normalement, il est nul, les gars. Mais depuis quand il s'est tiré, gros? Bien joué, mec. Nadjim, t'as gagné, tu peux choisir ton billet. T'étais le dernier et ils sont que deux à avoir gagné. Nadjim et Riyad. Ta cagnotte s'affiche au-dessus de ta tête. 50 euros pour le moment, on est d'accord? Let's go, on va voir s'il arrive à l'augmenter avant la fin de cette vidéo. Quatrième manche, les gars, c'est parti. Je vais aller me cacher. Et la seule règle, les gars, dans cette vidéo, c'est très simple. Je vous l'ai dit avant d'aller me cacher. Vous avez le droit uniquement à ramasser des cadeaux mystères. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de prendre les objets du magasin, mais uniquement des cadeaux mystères qu'on a disposés dans tout le magasin. Allez, ciao. Ça, les gars, par exemple, c'est un cadeau mystère. C'est tout simplement écrit mystère dessus. Et ça, s'il ramasse, mais je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça peut être bon comme mauvais. Et ce que j'ai oublié de dire aux abonnés, c'est que la moitié de ces cadeaux sont piégés. Ça veut dire que 50% des cadeaux sont des bons cadeaux et 50% des cadeaux sont des mauvais cadeaux, les gars. Donc, les gars, c'est parti. Je vais me cacher, là faut que je cours et je vais essayer de trouver une bonne cachette parce que là les gars c'est plus possible. Et à chaque fois j'ai l'impression que ce qui me trahit c'est le Kaji. Alors pour cette manche je vais cacher encore plus loin que d'habitude. Et les gars je peux vous dire que là ils vont encore plus galérer. On pose le Kaji ici, vous allez voir la cachette que je trouve. Plus je prends des cachettes dures, plus ils arrivent à les découvrir en bubu. Comment on fait, c'est une sortie de secours? Purée, ça aurait pu être la meilleure cachette du monde. Malheureusement c'est bloqué. J'ai une idée. Là les gars, je crois que j'ai trouvé une bonne cachette. Je vais dire à mon caméraman de se barrer. Et là je crois que c'est le pied tout le temps est parti. Là les gars, je suis totalement caché dans un rayon. Je pense que tous on a déjà fait ça. On a déjà tous fait de se cacher dans un rayon comme ça. Et là à mon avis, ils vont me trouver. Mais peut-être ils vont mettre beaucoup de temps à me trouver. On va voir. Le temps il est bientôt fini, je crois. J'ai également oublié de leur dire un truc, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça sera pas un gagnant, mais 3 gagnants pour cette manche. Donc 3 participants qui vont gagner et qui peuvent tenter de choper quelque chose de lourd dans cette manche. Ça sera pas un seul gagnant, ça sera les 3 premiers. Ça commence. Oh, j'en ai marre de courir la commune. Trouvez Crypto. Vas-y, faut que t'ailles mettre dans le caddie. Vas-y, cours. Moi, je vais t'aider. Vite, tu vas prendre l'autre. Vite. Allez. Allez, gars, faut trouver Crypto là. Prends-en deux, vas-y. Allez. Reste, cours. Hein? Il ne me trouve pas. T'as gagné, mais ce que tu sais pas, c'est qu'il y a 3 gagnants. Donc là, tu dis pas où je suis, et il y a un deuxième qui a gagné. T'as gagné aussi, Elliot. Il y a 2 gagnants, il reste encore un troisième. Vas-y, allez, le cardio. Non, mais c'est bon, mais lève. Nadjim, tu veux pas gagner, frérot, arrête de faire des trucs bizarres. Ouais. Celui qui est avec moi, lui, il est juste à côté de moi. Ouais, mais on bat. Dans cette manche, il y avait 3 gagnants. Je leur ai pas dit, mais le premier qui m'a trouvé a rien déjà personne. Le deuxième qui m'a trouvé, c'est la team bleue. Et le troisième qui m'a trouvé, c'est la team noire. C'est-à-dire là, les gars, vous avez réussi à récupérer tout ça de cadeaux. Mais j'ai oublié de dire quelque chose d'autre encore. Dans ces cadeaux, il y a des vrais cadeaux et il y a des cadeaux piégés. Oh. Et moi, je propose que c'est l'équipe noire qui va commencer à tirer ton cadeau. C'est quoi ton cadeau que t'as réussi à ramener? Il est là, il est énorme, les gars. Mais il est super, super léger. Let's go. Tiens. Comme ça, tu prends un carton. Quoi? Mouah! Regarde bien ce qu'il y a. Oh là là! Un mini Nutella, les gars. Donc là, t'as gagné un mini Nutella. T'aimes bien Nutella, ça va? Ouais, ça va, j'adore. Oh, on a pris un mini Nutella, comment ça va? Il aime bien le mini Nutella, les gars. Ouais, c'est bon,
C'est calé. Bah oui. Donc là, je viens de gagner un mini Nutella. Mais non, on n'est pas content. Comment ça, un mini Nutella? Tu vas pouvoir te faire des bonnes tartines de Nutella. Équipe blanc. Depuis le début, tu fais que perdre, on est d'accord? Ouais. Imagine, c'est un gage, tu seras vraiment le plus gros poissard de cette vidéo. Ah, j'aurais été lui, j'aurais arrêté la vidéo. Allez, où? Ça, c'est pas de la patate ou quoi? Un Nerf édition Fortnite. Il a eu un vrai cadeau. Et en plus, tu sais quoi? C'est une P90. Tu vas pouvoir vraiment te mettre bien. Et c'est un vrai cadeau. Là, elle a gagné un vrai cadeau. Team blanc, il s'est mis bien. Là, on passe au dernier cadeau mystère. Elliot et Naïf. La team mini crypto, ils ont réussi à rapporter deux cadeaux. Les gars, on est trop forts. Ils ont fait une alliance. Ils ont fait un bon jeu d'équipe. Elliot, tire ton cadeau. Vas-y, tire. Comment ça se passe? Allez. Est-ce que ça va être un vrai cadeau ou est-ce que ça va être un piège? Ok. Elliot, j'espère que t'aimes bien le foot. Je sais quoi, des cages de foot pour pouvoir jouer au foot n'importe où les gars. Donc là il monte ses cages et tu viens de gagner des cages de foot. Content? Tape là. T'es mini crypto. C'est toi le dernier, t'as tiré ton cadeau mystère. Tu sais très bien comment il est super lourd ce cadeau. Ce qui veut dire que ça peut être quelque chose de très lourd, quelque chose de bon, quelque chose de mauvais. C'est la PS5. Pour toi c'est la PS5? Pour moi c'est la PS5. Tu penses à la PS5? Ouais. Ok, c'est parti, tu veux le déballer? Ouais. Oh, il est lourd hein. Mais c'est quoi? C'est ça. Oh là là, wow. C'est une nappe de 10 kilos. Les gars, ils pensaient que c'était la PS5, mais en fait c'était un colis piégé. Parce que c'était un poids de 10 kilos. C'est-à-dire que c'était le colis le plus lourd, mais malheureusement il était piégé. L'avantage c'est que tu pourras faire de la musculation grâce à ta terre de 10 kilos. Il y avait un colis lourd et je savais que tout le monde allait aller sur le colis lourd parce qu'ils allaient tous se dire c'est le colis le plus cher. On passe à la prochaine manche, c'est parti. Pour le nouveau mini-jeu, on a déguisé Najim entièrement en Cristiano Ronaldo, les gars. Voilà, ça veut dire que là, tous les autres participants, ils doivent essayer de trouver Najim. C'est le nouveau mini-jeu. Et celui qui va te trouver, s'il fait une bonne célébration, montre-nous c'est quoi une bonne célébration. S'il fait une vraie célébration comme ça, il remporte FIFA 24 sur quelle plateforme il veut. Si tu te fais pas trouver, tu gagnes FIFA 24, d'accord? Let's go. Si aucun abonné trouve, tu gagnes FIFA 24 sur la Switch, d'accord? Tu pourras jouer, d'accord? Ça marche super bien. Tu caches super bien. Let's go les gars, on va dire ça aux abonnés. Faut qu'on trouve une bonne planque, ok? Oh, tu veux te mettre derrière la carton? Ouais, non, tu peux pas. On a deux minutes, calme-toi. Viens, on va trouver une bonne planque. Nadim, attends, est-ce que tu veux te cacher en dessous et on met tous les ballons par-dessus toi? Je mets comme un escargot. Les mecs, regardez la planque de fou. Regardez la planque. Attends, calme-toi. On passe tout de suite au prochain mini-jeu. À votre avis, c'est quoi les gars, le mini-jeu? Moi, j'ai un petit truc avec le foot. Ok. Les sous. Là, les gars, c'est très très simple. Le mini-jeu, votre seul but, ça va être de trouver Najim dans tout le magasin. Il s'est caché en Cristiano Ronaldo, les gars. Les règles à respecter, c'est que si vous le trouvez dans sa cachette, vous devez faire de plus belles célébrations. Chou, comme Ronaldo. Ok. Najim valide et vous gagnez FIFA 24. Ok. On vous appelle dès qu'il a fini de se cacher. T'as la meilleure plante, Nadim, on voit pas toi. Je te jure qu'on le voit pas. Faut surtout pas que tu bouges. Nadim, tu vas être introuvable. Oh, les gars, on le voit pas du tout, c'est une dinguerie. T'as la meilleure plante, Nadim, je rigole pas, frère. C'est une dinguerie. Nadim, t'es introuvable. Tu respires bien, doucement, ne stresse pas. Dès que c'est fini, je te dis et tu sautes, c'est bon. Mais tu ne bouges pas. Ok. T'es meilleur man, tu vas gagner. Il est introuvable. Il est introuvable. En plus du FIFA à gagner, si lui qui le trouve, je lui paye encore un tacos. Ok, c'est bon. C'est bon, on va. C'est bon. C'est bon. Vas-y, c'est bon. Là, faut rappeler, il y a pas de cadeau. C'est vraiment trouver Nadim. FIFA. Et Démonexion, il a dit si on trouve, il nous paye un tacos. Voilà, donc ça fait un double lot. Débrouillez-vous. Oh. Écoutez bien. 3, 2, 1. Ok, c'est parti les mecs, ça a commencé. Ils sont en train de chercher. Les gars, je suis serein. Les gars, vous savez c'est quoi le pire? C'est que même moi je sais pas où il est. C'est-à-dire que celui qui le trouve, il est vraiment fort. Les mecs, je vais changer de coin, sinon ils vont tourner autour de moi. Nadim, bouge pas! Je cherche dans tout ce qui est compliqué, genre tu dis un truc de fou, tu le cherches là-bas. T'as vraiment des trucs compliqués quoi. Il a dû se cacher dans quelque chose ou derrière quelque chose. Personne trouve. Nadim il s'est vraiment bien caché. Pourtant il est en Cristiano Ronaldo. Ils sont en train de le chercher à fond. Et je me suis décalé un peu. Comme ça ils vont croire qu'il est vers moi. Mais comme ça je garde la vue dessus. Les gars, ceux qui trouvent Nadim, ils remportent FC 24. J'aurais bien aimé prendre celui-là. Franchement moi aussi hein. Voilà, on aurait bien pris, mais c'est le gagnant. C'est parti d'être trouvé. Maintenant. Ça cherche. Vous avez rien trouvé? Rien. Les gars, faut y aller, c'est le moment de gagner FIFA. Alors t'as des idées ou pas du tout? Non, pas du tout, mais tu moi je te donne une solution. Tiens, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué. Bien sûr, c'est caché dans le truc de fou. Intro. 10 secondes. 9. Allez, les gars. 3, 2, 1. C'est bon. Oh là là. Ça
gagné FC24. T'as gagné FC24. T'es sur quoi? T'es sur Switch? Ouais. T'as gagné FC24. Et les gars, ah. Les gars, c'est pas mon tacos, let's go. Là les gars, c'est la dernière manche et on a ramené tous les perdants pour qu'aujourd'hui tout le monde ait la chance de gagner un cadeau. La seule règle dans cette manche, c'est super simple, c'est que vous avez uniquement le droit de prendre des articles qui rentrent dans un caddie. Quoi? Minuscule. Waouh, mais c'est quoi ça? Si ça dépasse, ça marche, mais si ça tombe, l'article est éliminé. Là, si je me cache, il y aura le petit caddie à côté de moi. Si tu viens avec une trouchette électrique, ça rentre pas, c'est éliminé. C'est que des objets qui rentrent. Dans deux minutes, le meilleur gagnera. Let's go les gars. Dites-vous si c'est de rentrer ce vélo dans le caddie, c'est éliminé. On va juste vérifier, est-ce qu'un ballon rentre dans le caddie? Ça rentre. Est-ce que deux ballons rentrent dans le caddie? Ça rentre pas. Donc les gars, ils peuvent rentrer qu'un ballon dans le caddie s'ils prennent un ballon. Nadim s'est caché là les gars, c'est vraiment vraiment un fou. Il a réussi à se cacher ici. Moi j'ai pas de temps à perdre, je suis trop grand pour ça. Les gars, build d'essayage, c'est totalement mort. Je me suis cramé en même pas 5 minutes avec ça. Les gars, le magasin est tout simplement privatisé, mais on va pas non plus abuser à aller dans les caisses et tout. Donc là les gars, faut que je trouve quelque chose. Oh moi, oh, je viens de trouver la meilleure cachette du magasin. Il me reste je crois même pas 30 secondes. Le caddie les gars, on va essayer de fausser les pistes. On va l'envoyer au ballon. Là j'ai posé le caddie ici. Mais la question ultime, c'est est-ce que je rentre dans ce trou de souris? Là les gars, je suis caché dans la pire cachette, le meilleur endroit les gars. Mais c'est trop galère les gars, mes genoux sont totalement pliés, je vais pas tenir longtemps. Oh, je tiens plus les frères, je cause trop fort je crois. 3, 2, 1, allez c'est bon, ok, bien vu, ok. Prends des maillots, c'est mieux. Ouais, le caddie il est petit, cherche bien dans les recoins, faut regarder efficace. Voilà, bien vu. Comment? Oh, pose tes casquettes là dedans. Pose, ouais, pose déjà ça. Il est dans ce coin là. Il est où le caddie? Oh là là! Max, faut que je pose dans le caddie, les montres. Allez! Trouvé. Let's go! Oh. Eh oui! Bien joué mon Max! Check. Bien joué mon gars. Bien joué! Tu vois? Dès que je suis plus avec Nadim, c'est bon. Dès que je suis plus avec Nadim, les gars, ça gagne direct. Tout le monde est passé devant et je crois j'ai failli mourir dans la cachette. T'as mis quoi dans ton caddie? Des montres. On va aller voir ça tout de suite. J'ai déjà toi. Ça c'est régalé. Let's go. C'est parti Max, t'as réussi à te mettre au max 3 montres. On va aller en caisse tout de suite. Oh là franchement tu m'as dépouillé, c'est combien une montre? 15€. Bon ça va. 29€. Je crois que t'en as pour 100€ en tout cas. Tu m'as vraiment ruiné là. On va aller en caisse tout de suite. Au moins 10 personnes sont passées devant moi et aucun n'a réussi à me trouver. Et toi, tu m'as dit trouvé direct. Let's go. On va tout de suite en caisse. Du coup, Max, t'as gagné. Est-ce que c'est un peu grâce à Démonexion? Ouais. Non. En vrai, il a tout fait. En plus, il est humble. En plus, mais gros. J'avoue. Oh, j'étais avec Nadim. C'est le jour et la nuit, frère. Et toi, le moment où j'ai vu qu'il était vraiment humble, il a gagné un mini pot de Nutella qui de base était un piège. Ouais. Et il a dit, je suis trop contente. Donc là, tu mérites vraiment de gagner des montres. Une montre, deux montres et trois montres. Tu vas les porter tout en même temps? Ouais. À 3 fois l'heure, c'est la classe. Impossible d'être en retard. 97. Content Max? Ouais merci frérot. Pas de soucis frérot, c'est normal, t'es abonné? Ouais. C'est l'important. J'espère que tu vas reparticiper dans cette vidéo parce que franchement, ça a été cool. Et les gars, c'est le dernier gagnant de cette vidéo. Et on se retrouve vendredi prochain à 19h15 pour une toute nouvelle vidéo. Mais si tu veux pas attendre jusqu'à là, tu peux directement cliquer en haut à droite sur la vidéo. On est parti voir en VIP Messi contre Ronaldo en Arabie Saoudite. Clique, tu vas être choqué.